Ariège, Twitch est lancé. Et je peux couper le micro en attendant, comme ça il n'y a rien qui rentre.
Ok, bonsoir. Bon, je sais pas si c'est l'idée du siècle de faire un Twitch après une journée un peu épuisante. Je sais pas non plus si l'équilibre micro-musique est correct, puisque toujours le même problème, hein, j'ai pas de sortie son pour la musique dans la chambre. Ceci dit, je suis un peu con, je pourrais profiter de la coprésence de Julien. Julien, t'aurais un casque? Bah, je vais l'utiliser. Ah, tu vas l'utiliser. Voilà. Bon, bah tant pis, tant pis. J'aurais pas détesté moi J'ai aussi un profiter truc de tout la musique pourri. XP. Hein? J'ai un truc tout pourri. Un truc tout pourri? Ah, même pas. Non, désolé. J'en ai un, mais si je veux regarder un D'accord. film, ça rentre. Tu vas te mater un film? D'accord. Ok. Donc, bonsoir aux rares égarés qui trouveront judicieux de passer un peu de temps ici ce soir. Donc, ce soir, je vais vous lire quelques extraits de. Du Précaré 16, c'est une série de notes de travail qui suivent l'interminable feuilleton théorique sur la question du dessin et de l'histoire des couleurs. Cet appareil de notes renvoie bah, pas mal de choses qui ont été développées à l'intérieur du texte au cours des, je sais plus, 7 ou 8 numéros au cours desquels. Salut à toi, Louisa. Salut tout le monde. Tout le monde dont tu parles, Louisa, doit être un monde tout petit, à mon avis. Julien, dis bonjour aux Bonjour gens. Louisa. Qu'est-ce que je disais? Ça va être compliqué à mon avis ce soir pour moi de raccrocher les branches. Donc en fait, je compte plutôt sur l'éventualité de dialogue avec le chat. Ah super. C'est Pour vraiment pas bon, hein. c'est un. Il est pas bon, hein. C'est pas fou, mais au moins ça pourrait être assez chouette de participer. Enfin d'en voir moi aussi. Tu as des gros bisous, Julien, de Louisa. De participer un peu plus en étant dedans, en ayant moi aussi comment la musique, parce que là j'ai pas de monitoring, c'est dommage. Ah bah voilà, c'est 10 fois plus agréable, c'est super. J'en profite, puis ça me permettra aussi pour les morceaux qui sont un peu plus vénères, bah, de les abaisser pour retrouver un équilibre voix-musique à peu près correct. Alors, donc cette série de textes, ce sont des petites notes. Il y en a qui sont très anecdotiques, qui sont très courtes. Il y en a qui sont un peu plus développées. C'est que des choses qu'on traite, des idées reçues sur le dessin en général, sur les bandes dessinées aussi en général. Et certaines nous emmènent vraiment en profondeur dans les hypothèses. Théorique, d'autres pas du tout, sont complètement anecdotiques, légères et je dirais assez simples à manipuler. Mais avant tout ça, j'aimerais vous faire rapidement part d'une expérience sensorielle particulière. C'est la traversée de la ville d'Angoulême le soir, qui est quand même assez particulière. C'est une expérience. Psychogéographique, si vous voulez, le dessin de l'espace mental que cartographie les déplacements dans la ville d'Angoulême est celui d'une obsession, qui est évidemment une obsession, c'est même pas symbolique, hein, c'est encore autre chose, c'est signalétique, comment cette ville n'arrête pas de se signifier en signifiant à ses visiteurs à quel point elle est bien. La ville des bandes dessinées, par tous les moyens possibles et imaginables. Mais c'est pas ça le plus important. J'ai déjà parlé ailleurs, dans un autre texte, ce qu'il y avait de burlesque et fou, à voir partout dans la ville, toutes sortes de signes fétichisés qui sont censés signifier la bande dessinée, comme activité, comme collection d'objets, comme série de production humaine, par tous les moyens possibles. Elle est fétichisée notamment à travers certaines, comment on pourrait dire ça, des emblèmes. Ça marche comme des emblèmes. Le phylactère ici est un emblème. Un emblème au sens où on produisait des espèces de dessins allégoriques lourdement codés à la période du XVIe siècle, notamment souvent tissés à la fois de références littéraires souterraines et plus ou moins de références alchimiques. Sauf qu'ici, on est toujours en flottaison à la surface du signe et du code le plus pauvre. Donc, en termes de manifestation symbolique et expressive, c'est le degré zéro. Le phylactère ne signifie plus que lui-même, il n'a pas des raisons d'être.
Il n'a pas d'émissaire, à moins que ce ne soit la ville elle-même qui chuchote le nom de ses rues. Tous les noms de rues sont pris dans des phylactères, ce qui est évidemment assez grotesque, le phylactère, tel que je le comprends, en tout cas sous sa forme de ballon, tel qu'il s'est un peu imposé depuis le début du XXe siècle, depuis les propositions américaines, est une poche de respiration, c'est un souffle. Et s'il y a bien une chose que cette ville fait peu, ou alors très au ralenti, comme un corps dans le coma, en dehors de la période du festival, c'est de respirer. Elle respire à peine, elle se murmure comme sur un lit de mourant. C'est assez saisissable. Pourtant, on peut quand même dire qu'il est fait énormément d'efforts ici pour faire prendre corps par toutes sortes de moyens, des cadres institutionnels, des lieux de vie et d'action voués au monde des bandes dessinées et d'autres images. Il y a une forte présence également de l'animation, des jeux vidéo. Il y a toutes sortes de dispositifs industriels, culturels, qui sont à même de rendre ça le plus vivant possible. Mais c'est comme si, c'est une chose que j'avais déjà éprouvée autrefois, lorsque j'étais étudiant ici, donc il y a quand même super longtemps, la ville semblait suspendue entre deux festivals, bien qu'il se passe d'autres choses ici. Je crois qu'il y a un festival de musique jazz, si mes souvenirs sont bons. Et pour autant, ce qu'elle émet sur tous ces murs, ce autour de quoi se construisent, c'est-à-dire les réappropriations privées aussi, les restaurants qui s'appellent ici le Lotus Bleu, ici je sais pas quoi, enfin, tout ce qui ici commerce et échange des signes le fait en emprisonnant ces signes dans des éléments. Une représentation globale et imaginaire de ce que pourraient être les codes de la bande dessinée, la grammaire de la bande dessinée, enfin, selon la façon dont on parle d'elle, quoi. Donc évidemment, s'il y a une multiplication invaginée dans la ville de ces collections de signes-là, mais ça ne suffit pas réellement à produire l'intensité des cadres de vie qu'on imaginerait en attendre. On pourrait penser voir une circulation des corps intensive, des voix, des idées, et c'est pas le sentiment général qui s'en dégage. C'est vraiment toujours la même impression. Elle est beaucoup plus criante finalement aujourd'hui qu'hier, puisque hier, enfin quand moi j'y étais, Angoulême était vraiment une ville morte. Il n'y avait pas toutes ces institutions. Il n'y avait pas eu la construction ni du musée de la bande dessinée, ni de ces lieux de création numérique, encore moins évidemment, mais même des lieux de création de l'image. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait rien de tout ça. Donc cette léthargie, je dirais, elle était presque. Elle trouvait une sorte de légitimité provinciale, comme dans les autres villes de province qui finalement, petit à petit, sont un peu éteintes, quoi. Sauf que là, il y a beaucoup de signes manifestes d'un désir d'intensité. Alors évidemment, il y a très certainement une activité économique réelle, peut-être moins immédiatement perceptible, mais il n'y a pas, dans cette ville même, dans le corps de la ville, dans la circulation des corps qui la traversent, quelque chose qui saurait en rendre compte si elle est là, cette activité souterraine. Donc du coup, les lieux qui sont créés pour ça, pour faire vivre l'idée des bandes dessinées comme socle sur lequel se construit l'image de la ville, ces lieux semblent appeler à l'aide, appeler les corps pour qu'ils les rejoignent. Ça se fait pas vraiment. Donc une espèce de demi-désert, de tranquillité inquiétante à la limite. Hein. Je retrouve finalement les espèces de petits mouvements d'angoisse qui m'habitaient quand je vivais ici. C'est assez étrange. Pour autant, l'école elle-même me semble infiniment plus vivante hein, qu'elle ne l'était lorsque j'étudiais ici. Ça n'a pas grand-chose à voir. C'est la chose qui semble à peu près réussie. Dans cette espèce de multiplication, multiplication des lieux. Sinon, nous sommes passés avec Julien à l'intérieur du musée des bandes dessinées. J'espère pouvoir faire des visites de ce musée
avec les élèves bientôt. J'espère que l'idée va les exciter un petit peu. Comme je l'ai dit hier, ce qui serait chouette, ce serait de questionner d'une façon générale les relations muséographiques aux bandes dessinées. Qu'est-ce que ça soulève comme question? Histoire de lancer en la machine interrogative critique. Donc pas pour avoir ce musée pour objet, c'est pas le problème. Et la façon dont il fait les choses qui est plutôt pas mal foutue, hein. L'organisation du musée à l'intérieur est plutôt très agréable. Il y a une circulation assez riche, éclatée, ouverte. Mais mon problème, c'est pas du tout ça. Mon problème, c'est plutôt une question beaucoup plus brutalement, enfin plus brutale que ça, plus simple finalement, beaucoup plus rudimentaire, c'est quel sens ça d'exposer des bandes dessinées, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on le fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on montre vraiment? Je pense que la partie de l'exposition, enfin il y a plusieurs expos, il y en a une qui est consacrée à des décors de cinéma, puisqu'il y a eu un film de Wes Anderson qui s'est tourné ici. Je n'ai aucune sorte de goût pour Wes Anderson, qui est un réalisateur qui m'a toujours emmerdé. Ses décors, je m'en fous bien. Et son dernier film, je ferai comme pour les précédents, je m'en passerai volontiers. Donc cette expo m'intéresse de toute façon pas. D'autre part, même si c'était, je dirais, un film qui m'intéresse en tant que film, la perspective de visiter tous les éléments qui ont constitué sa réalisation m'intéresse assez peu. J'éprouve pas vraiment d'intérêt pour la génétique. Voilà. Donc j'ai pas de goût pour les manuscrits autographes. Je n'ai pas de goût, je dirais, de base pour les croquis en tant que chose dans la constitution d'une bande dessinée. Par contre, je peux imaginer un vrai intérêt à avoir toute une chaîne d'opérations constructives depuis des esquisses jusqu'à l'édition d'une planche, notamment pour le autour du patrimoine Callao. C'est autre chose, ça nous amènerait peut-être une relation plus complexe, mais évidemment pas en tant que ces esquisses, ces carnets croquis, ces dessins seraient apposés sur une simèse, mais réellement tout simplement en tant qu'objet à observer, manipuler dans un ensemble, une série d'objets, pour essayer de voir pour des jeunes dessinateurs, ou même pour le vieux dessinateur que je suis, quel type de résonance ça réveille dans les modes d'observation du monde, de pratique du dessin, etc. Pour comprendre des altérités, hein, des altérités corporelles, etc. Ils sont partants pour le rond des balles. Alors, écoute, je pense que certains d'entre eux, elles, seraient sûrement très contents. Sauf que pour l'instant, le problème, c'est pas eux. C'est-à-dire, avant même que la question ne soit posée, enfin, elle leur a été posée, visiblement, il y en a deux, trois que l'idée amuse. Mais c'est plutôt. Les problèmes sont plutôt d'un ordre administratif, visiblement. Dès qu'il a été évoqué, l'idée, ça me déprime, c'est très, très con. C'est comme ça. Hein. Ah, dès qu'il a été évoqué l'idée que je puisse recevoir ici, donc dans l'appart hôtel, plusieurs élèves pour qu'on parle de bande dessinée devant une caméra, je crois que le signifiant élève dans chambre d'hôtel terrifie tout le monde. Comme si ça réveillait, tu vois, une espèce de construction fantasmatique, terrifiante, que ça réveillait une espèce de vieux fond historique douteux de l'école. D'autant que Gérald Goric a été prof ici, et pour le peu de contact que j'ai eu avec lui, effectivement, il respirait à mes yeux le côté libidineux, certes. Bon, paix à son âme, ce Gérald Goric, pour qui j'avais, c'est vrai, pas beaucoup de sympathie, de considération. Mais je pense que. Il y a vraiment toute une représentation mentale qui n'a tellement rien à voir avec la réalité que je propose. Inviter des élèves à parler devant une caméra des livres qu'ils aiment. Il se trouve que c'est dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ben, je pense que élève, chambre d'hôtel, prof, c'est vraiment un truc. Ah! Une idée absolument. Ça a l'air, en tout cas, de provoquer un léger mouvement de panique. Bon. C'est con. Donc je vais aller voir la direction directement, puisque là c'est des angoisses qui visiblement sont des angoisses relayées. Et comme j'ai quand même
à l'égard des personnes grâce auxquelles je suis là, je dirais réellement de la sympathie et que c'est eux qui s'angoissent au fond. Plus pour apaiser leurs angoisses, voire pour rater, autant que j'aille voir le sommet de la hiérarchie pour voir si ça angoisse aussi le sommet de la hiérarchie. Ce sera plus simple, plus efficace, ça peut calmer tout le monde. J'espère pouvoir compter sur mes aptitudes diplomatiques pour dédramatiser cette idée absurde. Voilà, moi c'est comme ça. Donc voilà pour répondre à ta question, Louisa. Bah, c'est pathétique, je ne sais pas quoi te dire. C'est assez compliqué de parler sereinement de plein d'aspects de la vie sociale aujourd'hui, parce qu'on est traversé par des grands courants de fond inquiétants. Donc, bah, écoute, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Donc parmi les échos assez fascinants, pour en venir avec ça, qui se réveillait pour moi dans la traversée d'Angoulême, truc vraiment étrange. Il y a plusieurs aspects qui ont été assez saisissants. Le premier déjà, c'est comment fonctionnent à vide ces signes quand ils ne se rattachent plus à rien. C'est-à-dire ces phylactères, par exemple, contaminent. On est passé avec Julien dans un centre commercial et toutes les enseignes. Donc vous rentrez, vous plongez dans le sous-sol dans un centre commercial, une galerie de marchandes plutôt. Une galerie marchande où il y a plein de petites boutiques. Et on a uniformisé, pour les rassembler, les enseignes de ces magasins. Tous les magasins sont frappés d'un phylactère rudimentaire, à peu près le même modèle, grosso modo, archétypal, que celui qui sert à faire les plaques des rues. Sauf que là, en l'espèce, c'est un phylactère lumineux. Blanc. Et vous savez tous l'effet que ça fait de traverser en un début de nuit un long couloir de galeries marchandes au moment où tous les magasins sont en train de s'éteindre, au moment où la seule lumière maintenue, c'est celle des enseignes. Le mot blafard semble avoir été inventé pour décrire cette situation. Et l'espèce de misère monomaniaque de ces enseignes répétées tout le long du couloir, qui sont pratiquement les seules à émettre encore une lumière particulière, alors que plus rien ne les raccroche à une réalité vivante dans la ville. Il n'y a pas de festival. La raison d'être de tout ça, à ce moment-là, c'est rien. Donc c'est des pauvres signes fous. Qui ne signifie rien, qui jettent dans le ciel leur raccord à un monde, celui des bandes dessinées, mais qui n'est pas là, qui est nulle part à ce moment-là. Ça veut dire que la ville semble toujours être en attente de bandes dessinées. Le festival dure, dans mes souvenirs, 4 jours, c'est ça. Il y a 365 jours par an, donc pendant 361 jours, la ville est en attente de bande dessinée pour que l'organisme bande dessinée vienne respirer dans ces petites bulles, qu'il vienne imprimer son souffle dans ces petites bulles de bande dessinée et donner une raison d'être à ces pauvres petites bulles de bande dessinée. C'est quand même assez triste. Et l'autre chose assez marrante avec cette galerie marchande, c'est la raison qui semble avoir motivé le fait qu'elle soit creusée, qu'elle soit sous le sol. Et c'est pas une raison, je dirais, pratique, comme quand on crée au-dessus un parc, pour qu'il y ait un espace urbain, pour qu'on respire, pour qu'on vive, ou alors de façon plus sinistre, quand on construit un parking. C'est pas ça du tout qu'il y a au-dessus de cette galerie marchande. C'est rien. C'est une immense dalle vide. Que personne, absolument personne, dès 8 h du soir, ça c'est certain, mais je suis prêt à parier qu'il en est de même toute la sainte foutue journée, que personne ne vient habiter. Enfin, territorialement, il n'y a pas un corps qui traverse ce grand espace vide, aberrant, cet espace nu qui n'a aucun sens dans cette ville. Pourquoi est-il si nu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur cette immense place? Mais quand je dis rien, c'est pas le début d'un accident plastique sur cette immense dalle à cet endroit-là. Et pour qu'elle existe, on aura donc creusé sous elle pour
enfin, pour qu'elle puisse exister librement, c'est sous elle qu'on a creusé la place de la galerie marchande. Eh bien, c'est juste parce que une fois par an, à cet endroit-là, il y a l'immense bulle des gros éditeurs. C'est comme si on avait abdiqué toutes sortes de projets urbains, toute pensée de la ville, avec pour seule destinée ces quatre fameux jours où à cet endroit-là viendra émerger un espace marchand. C'est drôle parce que ces bulles, c'est jamais rien d'autre que des grosses librairies payantes, donc des endroits où habituellement vous achetez des livres, ce qui est déjà excessivement cher, en ayant payé encore plus cher le droit juste de rentrer dedans pour voir des auteurs surexploités, gribouillés à la chaîne, des esquisses mal foutues. Voilà à quoi est vouée cette immense place vide à faire vibrer pendant 4 jours par an. Le spectacle de la marchandise. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est presque drôle. L'autre chose, la dernière que je vais aborder pour cette petite promenade d'Angoulême et la description de cette expérience sensorielle et poétique, ce sont les fresques. Il y en a partout ici. En soi, c'est ridicule, évidemment, ces fresques ont toujours été ridicules, puisqu'elles ont consisté, elles consistent encore, à demander à des auteurs de bandes dessinées, donc dans le travail, salut Piloshka, enchanté, merci pour le follow. Et puis d'une façon générale, ceux qui ont l'habitude de lurker, follower la chaîne, ça me fait vraiment plaisir de voir que on est un peu plus nombreux et nombreuses, même si vous causez pas, mais osez déjà causer, c'est plutôt chouette quand vous le faites. Et oui, follower la chaîne, c'est toujours très agréable pour nous de. Si pour nous, parce que je suis pas toujours seul devant cette caméra, Dieu soit loué. De vous savoir plus nombreux. Donc l'autre aspect de cette traversée sensorielle de la ville, passer le cap, on va dire, de cette pulsation marchande, c'est la permanence de ces fresques aberrantes pour lesquelles on demande à des auteurs et des autrices de bandes dessinées, surtout des auteurs par ailleurs, il y a une très faible présence féminine sur ces murs. Mais bon, hein, on connaît tous l'histoire de notre discipline. Piloshka, quand on rentre par ce foyer, il y a un panneau Angoulême Ville des Festivals. Je pense qu'il y avait ambition d'en faire une place centrale pour tous ces festivals. Alors ça, c'est possible, j'en sais rien. Sachant que effectivement, il y a d'autres festivals, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un festival de jazz. Mais du coup, je ne sais pas si ces festivals-là ont la nécessité d'occuper un espace. Il est quand même démesuré, hein, cette espèce de truc à ciel ouvert, un peu fou. Bah, si un festival de cinéma, on peut imaginer qu'il a guère besoin de cet espace pour exister, parce que l'espace en question, comme il est démesuré, il a cette propriété des espaces démesurés, c'est qu'il est inhabitable par autre chose que du monumental. Et pour l'instant, évidemment, dans cet état, il est monumentalement vide, quoi. C'est vraiment l'espace étiré qui ne peut affirmer que son impuissance à être autre chose que dans l'attente de son remplissage frénétique et marchand. Donc ces fraises, disais-je, sont aberrantes, parce qu'elles demandent à des gens dont le métier est d'articuler ensemble, entre plusieurs images ou plusieurs opérateurs visuels, de la construction durée, du récitatif, du narratif. Donc une pensée vraiment très très particulière. Et c'est au nom de cette particularité qu'existe un festival des bandes dessinées. Pardon. C'est pour souligner une fois par an, dans cette ville, dans d'autres villes parfois, qu'il existe une discipline à part, un peu spéciale, dont c'est la particularité de travailler l'image de cette façon. Et à ces gens-là, on demande de faire des grandes bêtes images, tout court, comme ils ne sont pas peintres. Et ils ne sont pas non plus vraiment illustrateurs, même si beaucoup des auteurs et autrices de bandes dessinées font de l'illustration. Ce sont généralement juste des choses grandes, des grandes images creuses, qui ont vidé de leur substance
carrières, les métiers, les spécialités, les œuvres de ceux à qui on les a demandés, puisqu'on n'y trouve plus rien de leur singularité, il y a de leur aptitude à produire des bandes dessinées, quoi. À la place, nous voilà affublés d'une série de fresques absurdes, forcément un peu moches, forcément beaucoup cons. Et la chose évidemment la plus marrante, c'est que tout ça vieillit à vue d'œil. Mais à un point fou. Pour avoir longtemps sillonné l'Italie, et dans pas mal de coins d'Italie, il m'arrive régulièrement d'être confronté, même en extérieur. Si vous allez à Conegliano, vous voyez la Sala dei Battuti, c'est un endroit où il y a encore une belle présence des fresques extérieures du 16e, je crois. À Florence, il y a plein d'endroits où, notamment, je crois que c'est juste sur la grande place de Santa Croce, il y a un angle où il y a encore une certaine vivacité de fresques qui ont traversé 5 siècles. C'est fou. Et là, on a des fresques qui étaient déjà pas top top et qui ont vieilli en moins de 20 ans, qui sont devenues évidemment insipides, pisseuses, lézardées, croûteuses, malades, comme des vieilles maladies de peau. Et cette espèce de psoriasis qui commence lentement à toucher la ville dans une parfaite uniforme décoloration. Il faudra déjà la restaurer. Sauf que ces images, elles ont été désirées à un certain moment où elles s'imposaient comme choix. Pour les auteurs qui sont présentés là, pour les autrices qui ont fait ces fresques, ça représentait un désir conjoncturel, circonstanciel, de les mettre en valeur, parce qu'ils correspondaient peut-être au succès du moment, à l'idée qu'on se faisait à ce moment-là des bandes dessinées. Beaucoup ont déjà vu leur carrière pâlir aussi vite que ces fresques. Du coup, personne n'a envie de restaurer ça. Personne ne trouve la nécessité. Je vois quand bien même on en aurait les moyens. Pourquoi on ferait une chose pareille? Alors ces fresques tombent un peu partout en ruine dans la ville. Et pour autant, d'autres sont commandées, des plus neuves, qui vont vivre le même sort. Donc on traverse comme ça toute une série de chutes pellucides de ces fresques à travers la ville. Je sais pas, je me souviens plus de celle marquante. Ah si, ça y est, je vois. Elle est au niveau du sol, celle-là. Elle joue avec la matérialité, si je me souviens bien, des briques, et surgit par certains endroits, enfin fait surgir par certains endroits certaines de ses figures fétiches. C'est ça, hein. Je la vois, je l'ai en tête. Et là où tu as raison, Piloshka, c'est qu'effectivement, il produit une bande dessinée. C'est quand même pas rien. Enfin, je dirais, putain, c'est la moindre des choses quand même. Quand on demande à des auteurs, à des autrices de bande dessinée d'occuper un espace, un mur notamment, ça a peut-être un peu de sens, hein, de les convier à y faire précisément ce pourquoi on les a élus en quelque sorte dans le champ des productions artistiques pour leur spécificité, pour ce qu'ils savent faire. Donc oui, tu as raison. Ça, cet endroit-là est un peu particulier et semble être à peu près le seul qui a un certain sens, quoi, effectivement. Bref, c'est quand même une expérience super curieuse, hein, cette traversée. On est ressorti de là et Julien quand même assez perplexe sur le sens de tout ça. Enfin, perplexe pas tant que ça, si je peux vous en parler en des termes finalement assez clairs, c'est que je suis pas si perplexe pour en parler. Enfin bon. Voilà. Alors, ça c'est ce que je voulais vous raconter sur cette petite traversée. C'est ça, elle n'est pas monumentale, t'as raison, elle est à une échelle humaine. C'est le produit vraiment une relation. Mais bon, il y a plein de choses très très étranges, d'un autre ordre, enfin je veux dire d'un autre ordre formel, mais qui sont par contre composées selon le même principe de sanctification. Parce qu'en dehors du fait qu'on monumentalise des images qui ne sont pas des cases, une case n'est une case que d'être avec d'autres cases. Donc ça n'aurait pas de sens de les penser comme des grandes cases. Ce ne sont des cases de rien du tout, ce ne sont que de grandes images. Mais on y produit aussi également des œuvres en volume,
que j'ai bien du mal à appeler de sculpture, parce que il n'y a rien qui soit pensé comme du sculptural. Ce sont juste des fétiches aussi. Donc ce sont des figurines agrandies. C'est pas parce qu'on fait une figurine agrandie en bronze que c'est autre chose qu'une figurine agrandie. Si vous voulez, il y a derrière le pont qui sépare, enfin au milieu du pont qui sépare l'école du musée de la bande dessinée, il y a ce qui se voudrait être un Corto Maltese en bronze. Donc du point de vue sculptural, c'est un bon siècle et demi de retard. Enfin, c'est une approche de la sculpture qui n'a plus cours depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est sculpturalement grotesque, réellement. Il n'y a pas de pensée de la sculpture dans cette chose. Et évidemment, là où c'est encore plus étrange, c'est que pour les éventuels amateurs de bande dessinée qui trouveraient sensé de foutre en volume une figure dessinée, ce que je crois parfaitement infondé en sens et complètement con, c'est remarquablement mal foutu. C'est-à-dire que cette grande endive, enfin cette grande asperge, pardon, ridicule et rêvasseuse, évoque tout ce que vous voudrez au monde comme possibilité de pyrolunaire, sauf Corto Maltese. Alors on a affublé cette chose-là d'une casquette et d'une vareuse, et encore elle est trop longue pour être une vareuse, donc c'est. Et je suppose que. Il n'y a que la casquette qui survit à ce carnage et par laquelle nous sommes censés nous exclamer en passant là. Ah, mais c'est Corto Maltese. Le pompon, je crois, c'est l'ignoble Lucien. Vous voyez, c'est la. Je précise, parce que je pense que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas la moindre raison d'avoir la moindre idée de ce qu'est cette chose. Donc Lucien, c'est un des personnages de Franck Margerin, un dessinateur dont la présence dans Métal Hurlant m'a toujours troublé. C'est un vestige de dessinateur à gros nez, une vision de ce qu'on a appelé autrefois le dessin humoristique, mais hyper canonique dans sa façon de penser le dessin humoristique. Pas spécialement habile non plus, c'est-à-dire on n'y trouve même pas l'exercice de virtuosité un peu leste qu'on peut trouver chez certains auteurs du journal de Spirou, mais le tout dans un univers mental et narratif pas super excitant. C'est-à-dire que comment dire ça? Le monde rock'n'roll que dessinait Margerin dans les années début 80, fin 70, était déjà vieillot à cette époque. C'est-à-dire, dessiner des mecs à banane en 70-80, c'était déjà bizarre. Je ne comprenais pas bien ce que ça foutait là. Autant dire qu'en 2021, là, c'est carrément cosmique. Et il y a une espèce de grosse chose qui est posée sur la gare. J'ai pas vraiment de mots pour vous décrire ça. Donc c'est censé être un Lucien allongé. C'est difforme, vraiment. C'est-à-dire que même pour ce que ça voudrait être, c'est très largement raté. Et on a cette chose-là avec ces couleurs criardes qui est mal faite, qui est posée là, et on se demande, mais qui a désiré ça? C'est-à-dire, quelles personnes, au pluriel ou au singulier, sont ou est à l'origine de ce choix, de cette figure-là, à cet endroit-là? Qui a pu imaginer que Lucien de Franck Margerin était emblématique de quoi que ce soit pour qui que ce soit, en ce moment, incarnait les vertus ou quoi que ce soit des bandes dessinées en général, suffisamment pour qu'on juge important et chouette de foutre ça sur la gare d'Angoulême. Donc vous êtes accueilli à Angoulême, vous sortez de la gare et puis vous voyez ça. Voilà. Alors dans mes souvenirs, à l'intérieur de la gare, on voit déjà de toute façon des espèces de. Comment on pourrait appeler ça? C'est des mausolées, en fait. C'est des mausolées pour des choses censées être toujours vivantes. C'est très bizarre. Voilà. Voilà l'expérience de la journée, enfin l'expérience de la soirée. Nous étions à la recherche d'un resto. On passe notre temps avec Julien à essayer de trouver des endroits pour manger des bonnes choses. C'est pas facile, hein. Globalement, c'est pas simple de tomber sur des chouettes endroits pour bouffer. On a mangé beaucoup de cochonneries. Je vais revenir à la maison grassouillet, plein de sel et de gras. Et dans le centre, tu sais, on était en plein centre, on a testé deux trucs. Alors, il y a un Indo-Pakistanais qui était plutôt pas mal, vraiment très honnête. Mais là, on s'est tapé une pizza.
au centre-ville, hein, tu vois, en plein centre. Je la conseille à personne, hein, mais vraiment pas. Hein. La pâte était une espèce de truc cartonneux, à la fois trop sec et pas assez cuit. Je sais pas comment vous dire comment on obtient tel résultat. Moi, je sais pas faire une pâte à pizza comme ça, aussi invraisemblable. Et dessus, c'était ni fait ni à faire. En face du marché, je vois juste des cafés, moi, tu sais. Je vois juste. La souris verte, c'est ça? Qu'est-ce qui te fait rire, Louisa, particulièrement? C'est cette description générale, un peu catastrophique. Non, mais ça va, hein, je le vis bien, c'est marrant. Moi, j'ai réglé mes comptes avec Angoulême depuis longtemps, c'est bon. Je ne suis pas malheureux de traverser la ville, c'est plutôt chouette. En plus, le faire dans les conditions actuelles, c'est-à-dire relativement à ce pourquoi j'y suis venu, c'est bon, ça va, c'est plutôt chouette. C'est plutôt excitant. Donc c'est plutôt une distance ironique, mais même si mes mots semblent dire le contraire, bienveillante. Voilà, je suis juste étonné des fois par certains choix qui sont faits pour se représenter. Je pourrais faire un guide touristique, c'est ça? Je le ferais volontiers sur beaucoup d'autres villes par ailleurs. Bon, alors. J'ai dit que j'allais lire donc des petits trucs et à chaque fois si vous avez des questions à poser sur ces petits trucs, ça va être un stream chill et mou. Hein. Je compte à la fois sur votre aptitude à parler à ma place si possible et aussi à l'indulgence à l'égard de cette lecture. Je vais quand même tenter, à mesure que j'avance, comme d'habitude, de déplier, donner des exemples, mieux faire saisir. Et évidemment, comme c'est un peu ce que je fais déjà toute la journée, forcément, je suis naze et pas très, plus très bon à cette heure-ci, à cet exercice. Je vais commencer pour se mettre en train, par une petite citation de Pline. C'est toujours un plaisir de lire Pline. Parce qu'on trouve là-dedans, comment dire, il me semble que c'est toujours assez saisissant de voir que ce tout petit pas de côté, qui consiste à aller voir du côté des vieilles lunes comment ils parlaient des choses, de voir ressurgir des hypothèses, des idées, des notions qui ont encore quelque chose à nous dire. Et qui habitent finalement aussi régulièrement nos représentations. Et chez Pline, souvent, c'est plein de surprises. Moi, je trouve ça. Je suis toujours étonné au détour d'une page de trouver des propositions curieuses. Celle-là est vraiment jolie. Elle raconte une histoire, mais c'est une histoire de la valeur. Et c'est pas mal intéressant parce qu'on aurait tendance à penser, enfin, quand on a un regard un peu historicisant aux œuvres d'art évidemment, mais on a tendance à penser que le déplacement de la valeur dans les œuvres d'art, c'est-à-dire le déplacement de la valeur matérielle et financière vers et au profit de la valeur esthétique, ce serait plutôt un souci du contemporain, ce serait un geste plutôt moderne de mépriser la valeur matérielle et l'argent au profit d'une plus haute idée de l'art. Je pense que si j'en parlais avec plusieurs d'entre vous, spontanément, vous imagineriez, vous aussi, que cette idée-là, l'idée qu'on puisse glorifier la valeur esthétique comme supérieure à la valeur qui s'impose comme valeur du monde, quoi. L'argent. Vous auriez sans doute tendance à penser que c'est une idée moderne. Et pourtant, voilà ce qu'on lit chez Pline. Alors, la musique m'a l'air un petit peu forte. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends bien beaucoup. Et comme j'ai pas de retour sur mon micro, je ne sais pas si c'est bien équilibré. Néron, qui aimait beaucoup l'Alexandre enfant, le fit dorer. Alors l'Alexandre enfant, a priori, dans mes souvenirs, c'est une sculpture de Praxitèle.
Et dans mes souvenirs également, Praxitèle, c'est le sculpteur qui a fait la frise. Bah, je crois que c'est lui, je sais plus si c'est lui ou Phidias d'ailleurs. Je dirais que c'est Praxitèle, celui qui a fait la frise du Parthénon. Mais si vous voulez, on peut vérifier, comme ça je vais pas vous raconter de conneries. Hop. Voilà, ça me... Alors, la frise du Parthénon. Qu'on voit ça. Phidias, pardon, c'est pas Praxitèle, c'est Phidias. Oui, j'ai eu un petit moment de flottaison. Donc, l'Alexandre enfant dont il est question, c'est un Alexandre de Praxitèle, mais je ne vais pas pouvoir vous citer tout de suite parce que j'en ai pas en tête finalement. C'est des choses qui sont très loin pour moi. Hein. Mes leçons un peu académiques en quelque sorte sur l'art grec, elles datent du lycée pour moi. Et le lycée, c'était il y a 40 ans. Ça commence à être un peu loin. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, je ne me sois pas du tout replongé dans certaines portions de l'art grec, mais en fait, je me suis beaucoup replongé dans la peinture grecque, ce qui paraît bizarre parce que on n'en dispose pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en dispose pas qu'on n'a pas d'écriture dessus, donc on ne peut pas avoir de pensée dessus. D'autant que la pensée sur la peinture grecque s'est énormément enrichie ces dernières décennies. Et du coup, ben, j'ai un peu laissé de côté la sculpture, qui, comme pour beaucoup de gens qui approchent l'art grec, est première. C'est souvent le premier point de contact qu'on a avec l'art grec, la sculpture. Moi, j'ai un peu oublié tout ça. Néron, qui aimait beaucoup l'Alexandre enfant, le fit dorer. Puis, donc il avait une sculpture, il a décidé de la faire dorer. Une sculpture donc qui était antique pour lui. Puisque Néron, je sais plus ses dates, mais je dirais que c'est le premier siècle. Alors, le père Néron, c'est quand? Alors, c'est quand, c'est quand, c'est quand? C'est ça, c'est tout début du premier siècle. Il est né en 37 et mort en 68. Puis, cet ornement, ayant fait perdre la finesse de l'art, on enleva l'or. Alors, ça c'est hyper intéressant. Donc, il a fait perdre la finesse de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, dans un Twitch précédent, je vous parlais de la notion d'art quand il était question de Protogène. Quand Protogène disait à propos de sa tentative de dessiner, de peindre la bave, l'écume aux lèvres d'un cheval, il disait qu'on voyait trop l'art. Donc il faut bien comprendre à cet endroit-là qu'on voit trop chez Protogène la main. Et là, on comprend bien que l'ornement doré que Néron appose sur la statue fait le contraire. Elle fait perdre cette main, et cette main était aimée. C'était trouver la singularité, la beauté de la main qui avait fait ces sculptures était assez fondamental, puisque cet ornement ayant fait perdre la finesse de l'art, on enleva l'or qu'il avait fait recouvrir d'une couche d'or, et les successeurs de Néron. Alors on peut y voir d'autres raisons. Hein. Néron n'a pas laissé un très bon souvenir derrière lui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais du coup on en a brossé un portrait plus que saignant, et portrait qui est resté pour nous d'ailleurs la vision officielle de Néron, qu'il faudrait savoir nuancer, à savoir d'un fou furieux et d'un... c'est bien la première fois que je suis en retard, Lionel, et d'un incendiaire, hein, ce qui reste largement à discuter, mais... Il peut y avoir aussi dans la raison qui a poussé à faire ôter ce que Néron avait fait mettre sur cette sculpture, peut-être d'autres raisons souterraines. Mais en tout cas, ça n'est pas ce qui est dit dans l'anecdote de Pline. Pline écrit peu de temps hein, après, finalement, puisque Pline est aussi un homme du 1er siècle, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez, on peut regarder les petites dates de Pline, comme ça on sera fixé. C'est pas inutile des fois de s'y repérer un peu dans les généalogies, donc Pline l'ancien, hein, par opposition à Pline le jeune, c'est ça. Lui, il est né en 23, donc il y a un moment, il est contemporain, on va dire, de notre Néron. Et comme il meurt, bah, il meurt évidemment pendant l'éruption du Vésuve, puisque tout ça nous est raconté avec pas mal de détails. Hein.
Et Néron, donc, lui, meurt en 68. Il y a 10 ans d'écart entre la mort de ces deux oiseaux. Il se suicide, hein, Néron, en 68. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le. Il est destitué et il est plutôt invité au suicide. T'as pas entendu le signal du début. Ouais, c'est pas très grave. Tu as raté la description d'une promenade fantomatique à Angoulême. Tu pourrais écouter ça en VOD. En VOD, j'imagine que c'est. J'espère que c'est un minimum un peu marrant. Donc, on enleva l'or de la statue que Néron avait fait dorer. Et ainsi dédorée, on estimait cette statue plus précieuse, même avec les cicatrices qui restaient et avec les rayures dans lesquelles l'or s'était attaché. Et là, on a un fait historique marquant, si vous voulez. Et ça, c'est beau. C'est rare hein, qu'on ait. Comment dire? C'est pas souvent que nous est offert l'opportunité de plonger le regard dans une espèce de cause première de certains faits anthropologiques. On se dit, ah, ce truc-là, on peut au moins donner un premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ça avant, mais on a entre les mains un document précieux qui nous dit au moins à cette date-là, on peut précisément dire, cette chose-là est là, elle est déjà là. C'est rare qu'on puisse dire, évidemment. Cette chose-là apparaît. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un texte, évidemment, qui vient accompagner la naissance d'une chose, qui vient accompagner un événement? Mais ça arrive, hein? Ça peut arriver. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est. D'ailleurs, c'est des choses dont je pourrais parler à mes élèves, ça pourrait les intéresser. Je ne sais pas. Mais c'est dans les Confessions d'Augustin, il y a un moment où Augustin évoque son maître, Saint Ambroise. Et il parle d'Ambroise et il s'approche de son maître, je crois qu'il est adossé à une pierre, il a un manuscrit avec lui. Et Augustin est stupéfait, il est très étonné par l'activité d'Ambroise et il dit, je l'ai vu qu'il lisait sans bouger les lèvres, sans remuer les lèvres. Ça veut dire que, d'une certaine façon, devant l'étonnement d'Augustin, donc un homme du 5e siècle, élève d'Ambroise, évêque de Milan, voilà notre Augustin qui nous décrit, d'une certaine façon, la première lecture silencieuse. La première lecture pour soi-même. C'est une activité moderne entre toutes. Aujourd'hui, je dirais que la lecture silencieuse est largement devenue la forme la plus courante de lecture. On lit beaucoup plus pour soi. Et c'est la lecture publique, oralisée, qui est devenue le fait rare. Mais à l'époque d'Augustin, il serait venu à l'idée de personne de lire pour soi-même. La vocation d'un texte, c'était d'être oralisé. Donc ça, c'est un des rares moments où on peut quasiment dater comme un signal d'alarme. Un fait anthropologique nouveau qui apparaît. Voilà. Donc j'aime bien cette anecdote de Néron. Je sais pas comment vous la trouvez. Je trouve, enfin, cette anecdote sur Néron, cette anecdote de Pline sur Néron. Donc c'est dans le livre 34. Le livre 35, c'est celui qui est entièrement consacré aux œuvres d'art. Donc le 34, ça doit être celui qui précède. Ça, c'est bizarre, j'étais. Ah, faut que je vérifie un truc, excusez-moi, parce que. Alors, je voudrais vérifier un truc, parce que si je me suis gouré, ça veut dire que j'ai donné une mauvaise instruction aux élèves. Ça, c'est pas bien. Je fais pas ça en général, je suis attentif aux détails. Le livre 34. Des métaux et de la sculpture. Si, c'est ça. C'est celui qui est antérieur à celui dont je parle généralement. Donc, c'est bien ça. Il est un peu particulier. C'est celui qui est, on pourrait dire qu'il compose avec le livre 35 la série sur l'art. Mais que celui que je pratique et que je cite régulièrement, c'est bien celui sur la peinture. Donc, tout va bien. On imagine assez bien la statue pompeusement dorée. Bah ouais, carrément. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça nous ramène vraiment à tellement d'images de. Comment dire, mais des images de la production bourgeoise, finalement, des catégories de la valeur, quand
Elles se réattribuent finalement la valeur, mais par les seuls signes qu'elles comprennent. C'est comment. Il y a un moment assez marrant, alors je ne sais pas si c'est dans les mythologies ou un autre bouquin de Barthes, mais où Barthes évoque les relations à la valeur bourgeoise et dit. Il dit que les bourgeois doivent toujours posséder un truc plusieurs fois. S'ils ont une fleur, et il faut qu'ils le mettent dans un pot de fleurs, mais qu'ils mettent leur fleur dans un pot de fleurs, qu'ils mettent le pot de fleurs dans un cache-pot, qu'ils mettent le cache-pot sur un napperon et qu'ils ont besoin d'un petit guéridon avec une nappe pour poser le napperon, le pot de fleurs avec son cache-pot. Et pour vraiment ceinturer de possession à plusieurs reprises concentriques leurs fleurs. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je vais vous lire autre chose. Alors, il y a un petit bout de cette série de notes qui s'appelle Pour commencer. Pour commencer quoi? Ben pour commencer cette série de notes. Pourquoi le lire? Parce qu'il dit des trucs, évidemment. C'est pas seulement une prémisse pour dire, bon, ben maintenant, on va lire des notes. Hein. C'est aussi un truc qui dit des choses sur les bandes dessinées. Vous noterez que je suis grandement fatigué. Hein. Un truc qui dit des choses, là, en termes de vocabulaire des spécialistes. Super. Allez, on y va. Heureusement que j'ai des supports textuels hein, pour essayer de briller un petit peu, parce que si je devais être livré à moi-même, je pense que ce serait une sorte de catastrophe. Ici, donc ici, dans la série de notes que je vais vous lire, je ne vais pas tout vous lire, hein, ce serait à ce moment, je vais vous en lire quelques-unes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, même des questions qui ont zéro rapport avec ce que je suis en train de lire, hein, c'est pas grave, on s'en fout un peu. J'ai dit que ce soir, c'était vraiment une conversation douce. Dans la chambre d'hôtel. Ici, partout, on ira dessiner, on entendra l'écho de dessiner en bande. Ça, c'est un truc que j'ai sans doute du mal à faire comprendre quand je parle de différentes notions. Mais sans doute, les jours derniers, d'ailleurs, dans la classe elle-même, c'est à quel point de quoi que je parle. En vérité, je suis toujours en train de parler de bande dessinée. Je ne parle pas vraiment d'autre chose, même si je suis en train de vous parler de philosophie, même si je parle d'histoire de l'art, même si je parle de roman, de quoi que ce soit. En fait, implicitement, je vous parle de bande dessinée. Mais j'ai pas du tout fait la fête. Qu'est-ce que tu racontes, Lionel? J'aurais au moins un bon alibi pour être aussi naze, mais non, c'est pas ça. La vérité, c'est que je suis tellement incapable de produire des efforts intellectuels en continu que je me fatigue tout seul. Voilà la triste vérité. Si au moins j'avais l'argument d'avoir fait la fête. D'autre part, je fais peu la fête, en fait. C'est juste, je manque de temps et d'opportunités de la faire. C'est pas vraiment ici que je vais en trouver. Hein. Il faudrait une socialité particulière, et une possibilité de m'agréger à des fêtes, mais je connais pas grand monde ici, tu vois. Donc, on fait la fête dans des endroits où on est tenu au courant d'où se passent les fêtes. Alors, on comprend, je suppose, assez facilement que l'affirmation du dessin dans ses formes et ses propriétés mêmes, et c'est d'ailleurs la condition nécessaire pour le voir vraiment, pour commencer à voir le dessin comme dessin, à la fois comme processus et comme réalisation matérielle, tout ça passe par la libération de toute tutelle, donc de toute inféodation, de toute autorité, hein, des causes littéraires ou des arguments idéatiques qui lui ont été imposés jusque-là. C'est-à-dire libérer le dessin des prétextes sous lesquels on s'est mis à dessiner. Salut à toi, Oxyridge. Enchanté et merci pour le follow. C'est cool. Qu'est-ce que je disais? Pour commencer à voir le dessin, à le regarder à la fois comme manifestation matérielle et donc et aussi comme processus, puisque des particularités du dessin et des arts plastiques en général, c'est que devant leur composition matérielle, devant la façon dont ils nous apparaissent, en substance, nous possédons quelques pistes, quelques moyens d'y voir apparaître aussi les processus qu'ils ont rendus possibles.
par toutes sortes de signes qui appartiennent hein, à la construction, au dessin, comme en peinture par ailleurs. Mais pour ça, il faut libérer de toute tutelle des causes littéraires, c'est-à-dire des raisons de raconter des histoires, si vous voulez, au nom desquelles on s'est mis à dessiner, ou des arguments idéatiques. Des arguments idéatiques, c'est-à-dire des idées pour lesquelles ou au nom desquelles on dessine ceci plutôt que cela, qui lui ont été imposées jusque-là, et qui le condamnaient à n'être que l'auxiliaire ou le rudiment d'autres disciplines. Parce que tout au long de l'histoire, bon, ça c'est un truc évidemment je développe en long, en large et en travers, tout au long de l'histoire, la catégorie du dessin a été, et elle est encore hein, très largement nouée à des catégories de l'activité humaine qu'on lui suppose supérieures, qu'on lui suppose plus importantes, et au nom desquelles on se mettrait à dessiner. Donc ça c'est quand le dessin, je dirais, dès les premières propositions métaphysiques de Platon, est complètement assujetti mentalement à la forme de l'idée, c'est-à-dire les fameuses idées circonscrites et on pourrait dire piège de la substance, quoi, le dessin comme ça, comme circonscription par l'idée ou forme de l'idée, et par la suite, quand il est question du dessin, tout au long de notre histoire, il est soit destiné à devenir autre chose que lui, c'est-à-dire peinture, soit quand on lui suppose encore une existence comme notion et comme concept à l'intérieur des peintures, c'est en tant qu'ossature ou charpente qui peut être historicisée, c'est-à-dire ça a servi dans la lente construction du dessin, soit qui peut être effectué, ça sert pour solidifier la construction de la peinture, mais toujours dans un certain retranchement, une certaine idée. Donc ça va nous apporter des notions particulières pour définir certaines catégories du dessin, le cintre pour Roger de Pile, et puis sinon l'esquisse, le brouillon, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est important de le concevoir, hein, Dans un cas, on a une charpente, dans l'autre, on a la proposition amoindrie. Le brouillon, c'est ce qui reste dessous, qui est encore là, mais recouvert et qui disparaît. L'esquisse, c'est la proposition souvent achevée. Autrefois, on parlait d'un carton, quand on faisait un carton pour préparer un tableau, pour préparer une fresque. Parfois, ce carton était rehaussé déjà de couleurs. Et on allait, sur la base de cette première proposition, se mettre au travail sérieux et faire la vraie chose. Ça semble être la même idée, mais ce n'est pas tout à fait la même, hein, puisque l'une d'entre elles est prise dans le corps du travail final, l'autre existe toujours à côté, et elle y renvoie d'une certaine façon. Ok ? Donc ça, c'est pour les relations au dessin, d'une façon générale, c'est-à-dire pas forcément le dessin en bande. Mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de vous parler du dessin en bande. Je ne parle que de ça. On va revenir là-dessus, évidemment. Et ben, il en est de même pour les bandes dessinées, qui ne seront vues, enfin vues, qu'à la condition de les émanciper elles aussi, c'est-à-dire les libérer des prétendus grands sujets. Là, c'est un autre problème, hein. On ne peut pas les libérer complètement, comment dire, non pas des subordinations, mais de leurs vraies conditions d'existence, et qui sont des nouages propositionnels d'une certaine nature. Les bandes dessinées sont prises pour exister dans des devenirs plus complexes, plus tressés que le simple devenir dessin, même si on va dire que c'est la matière principale finalement de leur apparition. Mais on peut y adjoindre d'autres trucs. On ne va pas dire qu'on y ajoute du texte, parce que le texte en bande dessinée, c'est du dessin. Ce n'est pas une extériorité conditionnelle. C'est clairement pris dans la trame à tous les moments qu'on prenne sa réalité. Elle n'est pas conditionnelle, elle est existentielle, si vous voulez.
En revanche, se mettre à faire une bande dessinée, c'est déjà commencer un espace récitatif. Il peut être narratif ou pas. Après, il faut qu'on discute dans les détails de ce que narration veut dire. C'est compliqué, c'est pas si simple. Parce que c'est pas la même chose de parler de narration pour un roman et de parler de narration pour une bande dessinée. Et le risque étant toujours, évidemment, de comprendre cette dernière avec les outils de mesure et de compréhension de l'autre. Et ça, c'est problématique. Parce qu'il y a forcément un moment où on va perdre des bouts de la singularité des bandes dessinées, évidemment. Donc les libérer, elles, pas complètement de ce lien avec le désir récitatif, donc ou énonciatif, enfin, le projet, si tu veux, dans lequel se lance l'auteur ou l'autrice, qui est un projet qui outrepasse la matérialité tactile et formelle du dessin, hein, qui est toujours déjà dans les propositions de durée. Mais les émanciper, elles, par contre, des grands sujets, ou des fins édifiantes, des destinées édifiantes, des horizons édifiantes, hein, desquels on attend qu'il la sauve d'elle-même et de sa honteuse nature. Je dirais que ça, c'est un des paradoxes dans lesquels on est beaucoup pris avec la façon dont les bandes dessinées sont réévaluées, rehaussées socialement par les critiques, les journalistes, par le discours commun, c'est que le prix à payer, c'est qu'elles accompagnent un discours auquel on reconnaît une autorité ailleurs. Grand sujet journalistique, biographie de créatures importantes, grand moment d'histoire, narration autobiographique placée sous le régime de l'expérience sensible manifestement émouvante. Et tout bien compté, si c'est le prix à payer, le fait que ce soit une bande dessinée et les moyens pour mettre ça en bande dessinée est insignifiant, complètement insignifiant, parce que c'est toujours en tant qu'une bande dessinée aura été capable de rendre compte de ces choses-là qu'on lui reconnaîtra l'autorité de se placer dans les œuvres dignes d'intérêt, et certainement pas en tant que bande dessinée. Ce qui fait que les grands producteurs des plus précieuses expérimentations contemporaines dans l'ordre du récit, la configuration, etc., ne pourront être tolérés qu'à cette condition. Si on alors il y a quelques exceptions, mais on comprend qu'à chaque fois elle repose sur pas mal d'ambiguïté. L'exception Chris Ware est intéressante parce que à lire ce qui en est dit et la façon dont on accepte la considération pour lui, en dehors du fait qu'il lui aura fallu une certaine patience pour que ça arrive. Il y a aussi toutes sortes de malentendus qui planent encore et toujours sur la nature littéraire de son travail. Or, c'est bien en tant qu'auteur de bande dessinée qu'il renverse le monde, et certainement pas en tant qu'auteur littéraire. En tant qu'auteur littéraire, au mieux, Chris Ware serait un banal raconteur d'histoires dramatiques du 19e siècle. C'est-à-dire, son rapport au romanesque, il s'agissait de ça. Et finalement très peu intéressant. Je parle simplement des enjeux artistiques de ce qu'est le roman contemporain. Le roman, c'est pas plus un art de raconter des histoires. Hein. Ou alors là, si vous pensez ça, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est un roman. Hein. Vraiment. Donc pour Chris Ware, on a cette forme d'indulgence générale, cette espèce de tenue qu'on lui accorde. C'est le prix à payer. En regard, on manquera jamais de rappeler que son dessin est froid, ou pour ceux qui ne l'apprécient pas, ou qu'il est appliqué, maniaque, enfin toutes sortes, toute une galaxie comme ça d'épithètes, soit psychologisant, bon non, psychologisant en fait, hein, pour en parler. Bon, évidemment, les lecteurs de bande dessinée qui ont réellement un attachement à cette discipline, qui n'attendent pas que une bande dessinée soit rattachée à un fantasme ou à une autorité de grand sujet, ils savent très bien pourquoi ils aiment Chris Ware et savent très bien ce que ça
fait exploser comme possibilité pour eux. Et je suppose que Chris Ware est essentiellement lu, majoritairement et copieusement par les auteurs et autrices de bande dessinée eux-mêmes, qui sont parfaitement conscients de ce à quoi ils ont affaire. Tu disais, dans ce cas-là, le dessin de Hergé est froid aussi. Oui, c'est sans doute, certains le considèrent comme froid, j'imagine aussi. Ouais. Ça dépendra simplement, cette relation qu'on va nouer au dessin de Ware sera toujours une relation secondaire, c'est ça que j'essayais de dire. C'est qu'elle dépendra du régime d'autorité qu'on aura accordé ou pas à un espace préalable, c'est-à-dire sa supposée littérarité. À chaque fois que Chris Ware est ramené dans la conversation journalistique critique courante, il y aura toujours une étape où il sera comparé à tel ou tel écrivain. Et c'est à ce nom qu'on aura l'impression d'avoir dit quelque chose de beau et de grand sur son œuvre. Alors je ne sais pas si cette chose-là a disparu ou pas, mais parmi les effets de discours qui trahissent finalement ce type de relation vraiment tordue finalement aux bandes dessinées, il y a l'idée selon laquelle quand une bande dessinée est une grande bande dessinée, ah oui, mais alors là, c'est plus qu'une bande dessinée. En gros, pour être une bonne bande dessinée, il faut qu'elle soit plus tout à fait une bande dessinée, quoi. La politique des grands sujets, où elle a explosé depuis une dizaine d'années, on peut dire qu'elle mène la danse des pas seulement des succès de librairie, mais surtout des succès critiques. Et il y a de fortes chances que on n'y gagne pas grand-chose en termes de création, vraiment pas. C'est pas Turunen, Mousturi ou Bertoyas qui vont grandir dans tout ça. Une BD qui est plus qu'une BD, là autre chose. Bah ouais. Ah mais c'est quand même vachement plus qu'une bande dessinée, tout ça. Mais ce que je raconte, ça a l'air de sortir de mon cul, mais dans un des chapitres de comment? Un des chapitres de mon travail sur le dessin, et je cite d'autres gens qui sont pas des critiques considérées comme lambda, et c'est fascinant. Enfin, il y a des petits bouts de Kornstein, de Smolderen, donc des gens qui sont considérés comme aptes à nous parler un peu sérieusement des bandes dessinées, qui sont censés avoir des trucs à en dire, à les connaître et tomber le moins possible dans des gros panneaux. Et c'est super bizarre, vraiment extrêmement troublant de voir que les choses qui sont dites sur le caractère significatif de tel ou tel aspect des bandes dessinées et de cet ordre-là, hein, vraiment. Du dessin considéré comme plus à même de faire passer un discours, enfin toute une série comme ça de tutelles, enfin pas très rassurantes finalement sur le développement d'une aptitude particulière à regarder les bandes dessinées pour ce qu'elles sont vraiment, quoi, comme lieu de création singulier, oui, spécifique. Donc là, libéré donc de ces grands sujets ou des fins édifiantes, des destinées édifiantes, des bandes dessinées qui servent à informer le monde, à nous dire des trucs, quoi. Une fois ce premier pas accompli, il faudra considérer le dessin en bande non pas comme une spécialisation du dessin, mais comme son déploiement dans des territoires plus larges encore de la subjectivation. Cette proposition, elle vient parce que ça permet de ne pas partir depuis la cause première dessin pour penser les bandes dessinées, mais plutôt de partir d'une cause première qui serait intérieure au dessin pour y trouver un déploiement sous-jacent aux bandes dessinées. Ça évite de faire de l'une tout simplement une sorte de construction généalogique depuis une proposition qui a déjà une histoire ailleurs, qui a déjà une intrication à un ailleurs théorique et artistique. Donc pour éviter justement, une fois de plus, la mise sous tutelle. Voilà.
Si vous avez des questions, des propositions, dites-moi. Moi, je vais me chercher un tout petit peu d'eau. À moins que. Tu as de l'eau avec toi? Non. T'en as pas? Parce que. Normalement, je dois avoir de l'eau dans le coin. J'avais pas une petite bouteille verte? Bah, Tu si. l'as pas vu traîner? Bon, je verrai ça tout à l'heure. Parmi les trucs dont j'aurais aimé vous causer, j'ai un texte un peu bizarre. Mais c'est une proposition sur une notion compliquée. C'est la notion de bon dessin. Qui qu'est là? C'est Julien. Julien est dans la piaule, il y a deux lits dans la chambre. Et il m'a rejoint ce soir, il se casse en train demain. Il a tourné dans la classe pendant 2 jours. Il a fait quelques prises de vue pour le long métrage qu'il est en train de faire là. D'ailleurs, je vous signale que son précédent long métrage est en salle ces temps-ci. Alors, dans quelle salle, je ne sais pas. Qu'il s'appelle En formation et c'est un documentaire sur les écoles du journalisme. Et c'est chouette. Ouais, je suis allé le voir en avant-première à Redon. C'était vraiment bien. Je ne sais pas quand est sa sortie officielle. Je crois que c'est cette semaine. Non, c'est le 1er décembre. D'accord, c'est le 1er décembre. Et c'est où? Dans toutes les bonnes salles. Dans toutes les bonnes salles, pardon. Et d'accord, 1er décembre. Toi, tu seras au Méliès pour en parler, c'est ça? Le samedi au Méliès, et sinon Samedi au Méliès. Donc, vous voyez aussi, c'est à à Montreuil. Montreuil. À Et sinon à Montreuil. l'espace Saint-Michel à Paris le 1er décembre. Et ça y est, puis ça promo. Sinon, à Paris, il sera à l'espace Saint-Michel le 1er décembre pour la sortie officielle. Mais là, samedi, il est au Méliès à Montreuil, qui est un super cinéma. Voilà, tu as le bonjour de Lionel. Salut Lionel! Salut Lionel. Voilà, j'ai besoin de relais. Ok. Une question compliquée. Je ne suis pas du tout sûr de l'avoir résolue. J'essaie juste de comprendre cette notion qui est insaisissable. C'est quoi un bon dessin? Alors, qu'est-ce que tu dis, Louisa? Toi, tu vas y aller. Mais tu sais pas si en bande ou pas. Ah, en bande dessinée ou avec plein de gens? Alors Lionel dit, j'irai pas à Montreuil, il y a trop de punk. Tu sais pas ce qu'il veut dire. Non, pas D'accord. au Méliès, non. Pas au Méliès, non, dit-il, dit Julien. Et Louisa dit qu'elle ira, mais elle sait pas si elle ira en bande ou pas. Et elle rajoute, je sais pas ce que ça veut Il dire. y a son frère qui sera là le Peut-être 20. qu'elle imite le chat. Il y a son frère qui sera là le 20. Ça devient n'importe quoi ce stream. Il y a son frère qui sera là le 20. Je répète connement ce qu'il m'est dit à l'arrière-plan, je ne comprends pas grand-chose. Non, Mathias sera là le 20. Oui, c'est ça. Le 20, mais c'est quoi le 20? Ah, c'est bientôt, c'est samedi, C'est c'est ça? samedi, c'est au Méliès. Au Méliès. Ok, bref, le film sort là. Allez le voir, c'est chouette. On peut voir la bande-annonce sur Allociné. On peut voir là. La... On peut voir la bande annonce sur. Sur quoi? Halluciné. Sur Allociné. Ah bon, on va la regarder comme ça. Voilà. C'est la petite pause cinéma. On va aller sur Non, t'es pas Allociné. obligé si Mais t'as pas envie. si, on va faire ça. Ça va être très amusant. Enfin, façon de parler. Mais Allociné. Louisa, j'ai des potes punk, dont quelques-uns à Montreuil. D'accord, je vois que Lionel insiste avec ses punks. Ok, je dis rien. Alors, en formation, on va voir la bande-annonce. Hop. Parfait, Lionel. Je ne sais pas sur quoi ils sont partis. Donc là, il y a l'affiche et la bande-annonce est là. Voilà. Elle est là. Alors, est-ce qu'on peut juste la. Je vais vous l'intégrer, hein, vous inquiétez pas, on va regarder ça. Je sens au moins juste qu'elle marche. Moi, ce sera un premier pas, on va dire. Et je ne suis pas du tout certain. Voilà, elle est là, qu'on puisse avoir le son. Je vais essayer quand même. On ira en bande, donc. D'accord, Louisa vient en bande avec des punks. Donc, si j'ai bien compris. C'est pas grave. Donc je copie ça. Est-ce que je mets ouais directement comme navigateur sera peut-être mieux. Je vais vous foutre le navigateur. Alors, et je vais gérer le son avec OBS. Et hop. Et là normalement ça doit fonctionner.
Attends, il faut que je puisse interagir avec le truc. Voilà. Par contre, évidemment, là, on voit que dalle. Mais pourquoi c'est écrit affamé? Ah! C'est pas simple. Hein. Et vraiment, là, pour des raisons qui m'échappent. Oh putain, on n'a pas le son. Et ça n'a rien à voir. Il y a un problème. Hein. Il y a beaucoup de publicité hein, sur Allociné. Et qui plus est, c'est complètement merdique la présentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas le bas et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est mal foutu. Bah, t'embête pas. Non, non, mais on n'y arrive pas du tout. C'est vraiment de la merde. On a de la pub. On a. Ça me casse les couilles en fait. Je suis désolé quand on prépare pas les légumes pour la vie, mais on en a Ah, c'est tellement rien à ça. foutre. Ça, c'est mon Oui, film. mais on a que le bas et je sais pas pourquoi. Un que le haut. Regarde-moi ce bordel. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que là, ça vient vraiment. Pourquoi vous avez foutu ça sur Allociné et pas simplement sur YouTube, quoi, Oh, sur bah, ça. ça y est, peut-être sur YouTube. Ça y est peut-être sur YouTube. J'en sais rien. Bon, écoutez, Non, mais c'est bon. j'ai essayé. Hein, Ouais, on ne pourra pas merci. dire que j'ai pas essayé. Non, mais les gens iront voir. Voilà, c'est ça. Vous viendrez voir au cinéma et on va, hein, on va y aller là dans d'autres trucs parce que ça devient vraiment n'importe quoi ce live. Alors, où j'en étais? Je sais plus. Plein de l'ancien? Je sais pas si vous avez entendu cet abruti à l'arrière-plan où on en était, Pline l'ancien. Je suis vraiment aidé. Hein. J'ai des potes, des fois, je me demande si je préférerais pas avoir des maladies. C'est ça, glousse, ahuri. Qu'est-ce que je disais? Un bon dessin. Bon, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Ça, c'est juste un prétexte hein, pour faire durer le live. Hein. Le but du jeu, normalement, c'est que vous posiez des questions. C'est très réussi. Je trouve ça très réussi. Mais bon, il était dit dès le départ que la tentative de faire des streams à Angoulême, ce serait probablement une drôle d'idée. Mais du coup, ça l'est plus que jamais une drôle d'idée. Puis ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut y aller. C'est commencé. Hein. Voilà au bout. Allez, j'y vais. Le bon dessin. Donc, situation. Une fois de plus, j'ai rejeté telle ou telle bande dessinée pour la médiocrité de son dessin. Mais est-ce que j'ai des raisons de me demander si j'ai affaire à un bon ou un mauvais dessin? Ce qui est déjà en soi, je dirais, une question au second degré. Donc, au lieu de me demander si j'ai des raisons de trouver un dessin bon ou mauvais, je pose la question différemment. Est-ce que j'ai juste des raisons de me demander si j'ai affaire ou un bon ou un mauvais dessin? Si j'en ai, quelles sont-elles? Et à partir de quel moment cette notion, bon ou mauvais dessin, est-elle pertinente? À quelle fin y ai-je recours? C'est-à-dire, bon, passer le cap de se demander si j'ai de bonnes ou mauvaises raisons. Quand ça m'arrive, qu'est-ce que je vise? De quoi je parle? Surtout si on parle de dessin dans le champ des bandes dessinées. Cette notion, vous comprenez bien, elle est assujettie à d'autres questions que celles qu'on se poserait si on était devant un dessin dont le dessin seul est la finalité. Image fixe, dessinée, etc. Donc ça implique d'autres choses et ça veut dire que ces notions du bon et du mauvais, on suppose implicitement que ce n'est pas des notions esthétiques, que c'est autre chose, et que c'est relatif à la nature du dessin en bande, évidemment. Elle s'ouvre, cette question, hein. Elle s'ouvre peut-être par une aporie, donc une espèce d'insolubilité du sens, un énoncé qui porterait en lui, je dirais, l'impossibilité d'être énoncé, quoi. C'est la contradiction qui dominera cette question à l'instant précis où elle sera libérée de l'expertise artisanale, quand bien même cette libération est la condition qui lui donne un sens. Ben ouais. La première manifestation de cette question, elle se pose dans un cadre qui suppose qu'il existe au préalable un champ d'expertise qui permet de la poser. Sur la base de quoi naît ce champ d'expertise? Il naît globalement de l'idée qu'il y a du bien et du mal fait
dans la construction du dessin. Et dans ce cas-là, si cette question se pose, c'est-à-dire si le dessin en bande dessinée vise des solutions manifestes, le fait qu'il soit bon ou bien ou mal fait dans ce domaine devient une question artisanale, c'est-à-dire une question directement liée à l'outillage et l'utilisation de l'outillage pour parvenir à vos fins, c'est-à-dire produire le dessin qui soit à la hauteur de cette ambition précise. Donc tout un régime, on va dire, un régime artisanal. J'espère que c'est clair. En effet, si l'excellence d'un dessin ne se mesure pas à sa coïncidence avec son modèle supposé, on aurait dit autrefois, on aurait parlé de problème de la mimésis, problème de la ressemblance, d'une sorte d'exactitude académique homéomorphe entre le prototype qu'on dessine et le dessin lui-même. Si l'excellence d'un dessin ne se mesure pas à ça, ne se mesure plus à ça, pour toutes sortes de raisons que vous pouvez imaginer, d'une part, raison historique, puisqu'on pourrait dire qu'elle ne se fonde plus tellement en sens, et puis raison circonstancielle, on est quand même en train de parler de bande dessinée, donc on s'en fout un petit peu de cette question académique. Hein. Si l'excellence d'un dessin ne se mesure pas à sa coïncidence avec son modèle supposé, avec les prototypes académiques sur lesquels se fonde le jugement, c'est-à-dire avec les bases sur lesquelles on fonde le jugement académique, c'est parce que cette servilité, donc cette appartenance à ce champ-là du jugement, ne fait que tracer le seuil à partir duquel son excès distingue le bon dessin du labeur. Donc, première proposition, c'est partout au-delà, nous avons quitté la question académique parce qu'elle n'appartient pas au régime même du questionnement qui aurait du sens pour nous, que ce soit historiquement ou que ce soit circonstanciellement, c'est donc juste après à laisser de côté cette question, il faut commencer par l'outrepasser, il faut commencer par faire en sorte qu'elle n'ait plus de sens pour nous, pour qu'on puisse se poser sur cette base-là la question d'un bon ou d'un mauvais dessin. Pour qu'elle se pose, il faut que cette première condition soit en quelque sorte déjà évacuée. L'existence même de cette catégorie, le bon dessin, la nécessité même d'une catégorie distincte et tacitement, implicitement, d'une catégorie supérieure, si vous voulez, une catégorie distincte à l'adéquation au modèle, une catégorie donc différente de celle finalement de la mimésis et des différentes formes de mimésis, à l'adéquation, donc catégorie distincte et donc probablement supérieure à cette adéquation. Une catégorie supérieure, je veux dire, catégorie plus importante que ça, quoi. Donc plus importante aussi que l'excellence artisanale. L'impératif, donc, d'en dépasser la subordination, de dépasser l'association et la suggestion à ces catégories-là, parce que c'est des catégories finies. Enfin, donc, elles sont vite atteintes, ces catégories-là. On ne peut même pas les dépasser, d'ailleurs, puisqu'elles sont trop vite atteintes. Ça n'a pas de sens, du coup, de poser ces questions-là dans un cadre qui soit même formel ou poétique, parce qu'elles sont implicitement atteintes dès le début, quoi. Cette existence de cette catégorie, elle ne fait qu'appeler cet excès, l'excès que le bon dessin suppose à toutes les catégories. Pour dire que c'est par là que ça commencerait, finalement. Ce serait l'aptitude du bon dessin à dépasser toutes ces catégories mêlées, c'est-à-dire l'adéquation au modèle, l'excellence artisanale, et dépasser aussi toute subordination aux catégories finies qu'elle représente. Mais alors, dépossédant de tout instrument de mesure, c'est-à-dire cet excès même, cet excès du dessin, parce qu'il est un excès, nous prive d'instruments de mesure. Vous comprenez pourquoi. Il nous plonge dans une dimension toujours déjà atteinte et excédée du rapport au modèle intellectuel et historique, c'est-à-dire que rien n'est préparé du coup à le recevoir à l'avance.
Et du coup, rien n'est préparé non plus à en mesurer la validité dans cette question, bon, mauvais dessin. D'accord? Dépossédant de tout instrument de mesure, il nous dépossède de ça. Donc cet excès, enfin cette dépossession que suppose le bon dessin, qui rend indisponible, pas encore forgé, les instruments de mesure. Alors comment? Et comment se juge l'excès? Il n'y a pas d'instrument de mesure pour le juger. Comment on le juge? L'excès. Si l'inconnu que transporte le surgissement du bon dessin, donc cet inconnu dont nous sommes en train de parler, hein, cet inconnu d'une rivalité de l'excès avec les cadres déjà existants, et donc ce dépassement de l'excès de ces cadres déjà existants, si cet inconnu que transporte le surgissement du bon dessin, celui qui excède l'académie en cours, parce que bon, évidemment l'académie est une notion très circonstancielle. Une académie, c'est certes, si vous voulez, c'est une certaine idée d'un parachèvement historique, mais en fait, c'est des usages. L'académie réapparaît, je dirais, comme institutionnalisation des processus de dessin et des créations artistiques, dès l'instant où des régimes de répétition, de réorganisation complètement suturés, se mettre en branle. Il y a des académismes punk, pour reprendre le vocabulaire de Lionel tout à l'heure. Faut pas croire, il n'y a pas que l'académisme de l'académisme, quoi. Donc si l'inconnu que transporte le surgissement du bon dessin, celui qui excède l'académie en cours, donc l'académie en cours, qu'est-ce que je note entre parenthèses, qui trahit l'instrument de mesure qu'elle imprime aux productions lui étant contemporaines, c'est-à-dire que l'académie en cours, sous la dernière forme sous laquelle on la connaît. Quand je dis qu'elle trahit l'instrument de mesure qu'elle imprime aux productions, c'est-à-dire que en elle, elle porte toutes les formes instrumentales d'analyse qui l'ont établie en académie. Donc, avec elle sont portées les conditions de jugement et d'estimation qui lui donne, qui lui confère son statut particulier. Donc si cet inconnu est la condition et le régime de son excellence propre, le mode d'affirmation de sa nécessité, alors ne me devient-il pas aussi impossible de l'accepter que de le rejeter? Comment en aurais-je les moyens? N'est-il pas aussi bien irrecevable comme adéquation à ce système, à ce processus, puisque on ne voit pas à quoi il serait adéquat, qu'inestimable comme trahison. On ne sait pas, on n'a pas non plus les moyens de savoir où et comment et par quoi il trahit. Trahison de quoi? Quel est le socle à moi de mon expertise pour en juger à ce moment-là? Par où ces conditions impossibles de jugement étonne le plus est probablement la permanence de cette question. Le fait qu'elle soit sans cesse relancée, sans cesse réapparente. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'abolit pas dans son infatigable, dans son insoluble retour? Et qu'est-ce qui, de mon désir à moi, se maintient contre vent et marée devant le dessin? Cette forme de l'appétit, finalement, d'excès, qu'est-ce qui, du nécessaire et du suffisant, est impuissant à satisfaire ma relation à un dessin? Pourquoi, donc on en revient à la question, bon ou mauvais dessin, pourquoi même cette question est-elle posée en ces termes? Pourquoi elle se pose à moi? Pourquoi, conditionnellement à l'apparition même du dessin dans mon champ de compréhension du monde, dans mon champ de perception, dans ma fabrique, si vous voulez, de l'idée, réside toujours en suspension, en attente, le désir de son excès, c'est-à-dire, d'une certaine façon, une incapacité à me satisfaire du caractère institutionnalisé de la dernière académie en cours.
J'ai déjà abordé ailleurs ce que l'excès de communication implique des relations théoriques au langage. Donc là, je vous renvoie à la série des textes et puis des tweets sur Scott McCloud et d'une façon générale les théories du signe qui accompagnent régulièrement l'analyse des bandes dessinées. Donc McCloud, il y a eu pardon, il y a eu un premier dialogue avec Jean-François Savang sur la théorie du signe de Peirce. Il y en aura d'autres parce qu'on trouve que c'est pas très réussi. Il faut faire ça mieux, il faut rendre ça plus compréhensible. On voit bien que c'est pas super clair et c'est chiant. Donc on va refaire ça mieux. Et puis là, il va y avoir une série de live avec Nuclear Summer, Gabriel, sur la théorie généralisée des symboles, le système généralisé de symboles de Goodman, qu'on va également essayer de rendre le moins chiant possible, même si clairement on est devant une théorie elle-même plutôt chiante. Donc ça va être une sorte de pari, de vous rendre le plus agréable possible une digression. Mais comme ça va être pendant des live dessins, le moment où vous emmerdez trop, vous pouvez toujours regarder à l'écran ma main qui dessine des orques, des éléphants et des cochons d'Inde, puisque c'est toujours sur la série Telos. Voilà. Est-ce le même problème qui se pose ici, le même problème que dans les travaux sur la théorie du langage, dans le dépassement par le dessin, ici des catégories esthétiques, plutôt que le dépassement et des félins. Oui, aussi des félins, Lionel, hélas, oui, tu as raison de me le rappeler. Je vois que tu as de la mémoire sur ce qui m'emmerde le plus dans le dessin, oui, c'est vrai, des foutus félins. Terrain meuble, incertain, des tensions esthétiques sur lesquelles on aura malencontreusement creusé les fondations de l'esthétique elle-même comme discipline. Je tente de comprendre par où le renoncement aux catégories classificatrices de celles-ci, donc les catégories classificatrices de l'esthétique, hein, ne nous interdit pas d'avancer sur le territoire continu de celles-là. C'est-à-dire, le renoncer aux catégories classificatrices des tensions esthétiques et le territoire continu de la discipline. Gardons au minimum en tête que la conciliation et la régularité sont probablement le nœud du problème. C'est-à-dire, un des grands problèmes d'une façon générale des relations au jaillissement, au surgissement, à la fois des systèmes de tension, des phénomènes de tension, comment dire, de la possibilité de comprendre quelque chose à l'irruption, du changement, évidemment, enfin du changement radical, du changement ou du paradigme, ou de l'excès, tout simplement, c'est d'avoir déjà mis le doigt sur la conciliation de ce qui semble disjoint, séparé, peut-être disjoint et séparé par l'excès même dont on parlait de dessin, et la régularité, les systèmes de régularité qui fondent les gestes humains en académie, justement. Comprendre aussi ce qui, dans l'académie, finalement pourrait résister au régulier, et ce qui, dans l'excès, composerait à nouveau, en tout cas, des bases de régularité pour se poursuivre en elle. Et peut-être même, par exemple, les estimer, les comprendre. Quitte à les comprendre comme excès. Hein. Alors, je propose un axiome qui vaut ce qui vaut. Libre à vous de le foutre dans une poubelle ou de travailler avec pour voir ce que ça donne. Quel que soit le dernier état, fondamentalement contingent, donc qui est forcément redevable à tout un système, toute une série de catégories historiques dans lesquelles elle apparaît, quel que soit le dernier état d'une académie, tout ce qui l'épouse sans reste se tient en dehors du jugement esthétique et se limite à la redéfinir en tant qu'académie. Donc ça veut dire
qu'en tant qu'académie, ou plutôt en tant qu'académique, un mouvement, une proposition qui épouserait simplement, purement et simplement, la régularité académique comme cadre d'apparition, il est tenu en dehors du jugement esthétique parce qu'il ne fait que refonder la catégorie du jugement qui l'a rendue juste possible. Donc il n'est pas rejugé. Il est déjà produit d'une catégorie antérieure du jugement. Tout excès de l'académie est menacé d'académie à son tour dès l'instant où sont constituées en règle de recommencement les modalités de son renversement. C'est-à-dire dès l'instant où vous pensez pouvoir repérer, serrer, être comptable finalement, des catégories, enfin des modalités, pardon, de renversement par lequel telle ou telle œuvre a effectivement renversé l'académie, si vous les seriez, les distinguer, pour en faire des processus opératoires reconductibles, alors évidemment, vous le menacez à son tour de produire la régularité académique. Je pense que là-dessus, ça ne me paraît pas fou ce que je raconte, hein. On est d'accord, hein. En d'autres termes, dès que le mouvement modal de l'excès est discriminé en autant de conditions possibles de sa détermination et son expertise, il s'ouvre à l'académie. Hypothèse donc, l'excès est fondamentalement modal, c'est-à-dire qu'il est continu, fluide, c'est un flux. La proposition académisante, institutionnalisante, ne peut fonctionner qu'à la condition de commencer à produire autour de lui des opérations de discrimination fonctionnelle qui le déterminent pour en être expert. Et une fois qu'il est déterminé pour l'expertise, il est aussi reconductible pour être institutionnalisé comme série de gestes. Le modal passe au discret et du discret s'ouvre la possibilité académique. De cette façon, par ailleurs, la solitude de la création, le fait de vivre en dehors de toute, apparemment, hein, de toute règle de création, la solitude ne préserve pas de l'académie. Pire encore, elle est beaucoup plus menacée par elle que que l'école, parce que la pureté la guette dangereusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les catégories de l'excès, quand elles sont éprouvées seules, elles ont peut-être un moment modal, mais comme tout le dispositif qui l'accompagne appartient au corps du sujet qui le rend possible, les opérations de discrimination qui permettraient tout simplement d'entamer un début d'analyse sont complètement co-créateurs, je dirais, des sections, des discriminations par lesquelles l'entendement se met en branle. Autrement dit, on a encore plus de chances de s'institutionnaliser tout seul que de le faire dans les cadres d'opposition d'un sujet devant d'autres corps, d'autres sujets dans une académie. Parce que seul, il nous manquera la possibilité de voir à quel moment le modal est devenu tonal, découpé, discrétisé. Alors, comment on s'en sort? Errer, errer, penserait-on, il en restera toujours quelque chose. Bricoler, monstrueusement, sans plan, sans direction. Trier à peine, laisser venir. Pourtant, l'inconnu tout seul ne suffit pas. Il ne suffit pas parce qu'il y a des stupéfactions vaines et il y a de l'inattendu qui gagnerait beaucoup à le rester. Ce n'est pas parce que c'est inattendu que c'est forcément gratifiant, fructueux. Il faut produire des conditions de discrimination. Il faut produire des cadres de détermination susceptibles au minimum
d'analyser une situation et d'assembler ce qui vient à des devenirs, des horizons, ou voir aussi une histoire des productions, pour voir si c'est fécond, si ça produit quelque chose, quoi, plutôt que rien. Hein. L'excès peut lui aussi conduire à l'empêchement du familier. Évidemment. Est-ce parce que tout excès ne conduit pas à l'excès de tout? Combien de fois le garde-fou cède-t-il vraiment pour qu'on se jette dans le vide sans hésiter? Ben évidemment, parce qu'il y a, il y a toute une série de conditions, on va dire, fonctionnelles, hein, dans les cadres de création, pour lesquelles il n'est pas si simple de savoir quel moyen on s'est donné, ben, tout simplement de les excéder, quoi. C'est pas une chose transparente à soi, c'est pas une chose lisible à soi, simplement. Tout parcours de visiteur d'image débouche un instant sur cette question du jugement. Tout faire pour l'écarter, pour ne pas la rendre centrale du regard, et sans aucun doute une sorte d'hygiène. Il me semble, hein, c'est plutôt une bonne chose d'avoir d'autres relations aux œuvres humaines, évidemment, que dans la simple exécution des manœuvres du jugement, quel qu'il soit par ailleurs, hein, jugement esthétique, mais moral, éthique, etc. Pour se laisser traverser par une situation nouvelle, c'est bien de laisser en arrière tout le bagage, tout l'équipage, tout l'arrière-plan finalement du jugement. Pourtant, nier sa nécessité, nier la nécessité du jugement, et, tenir cette nécessité pour une sorte de parasite institutionnel, c'est-à-dire déjà composer finalement des catégories étouffantes dans lesquelles on prend les œuvres, qui seraient extérieures à notre relation aux productions humaines. Ça pourrait conduire au mieux à une sorte de relativisme, relativisme ben, qui est sympa si vous voulez, mais il nous conduirait à la réception de toute chose, à toute production artistique inconditionnellement et sans nuance, en quoi il serait assez difficile d'établir par quel mouvement elles nous sont bonnes, utiles, grandissantes, tout ça, enfin, par quoi il serait impossible de produire inlassablement des conditions nouvelles et singulières, des relations nouvelles avec elle, cette espèce de flux continu finalement, et au pire, en les rejetant radicalement, à une subordination de toute activité artistique à son cadre social. Du coup, ça revient à quoi? Ça revient à l'éliminer en tant que processus de subjectivation. Les œuvres ne deviendraient plus inlassablement que l'écho formel, formalisé d'une réalité extérieure et sociale, et on y perdrait même la puissance de l'excès. Parce que la seule chose qui justifie la puissance de l'excès, c'est la singularité qui s'y effectue. Pardon. Alors, que faire? Dois-je m'en remettre au monstre? Nous les supposons, après tout, spontanément mieux à même d'ouvrir à l'inconnu que toute autre forme de création. N'implique-t-il pas en eux-mêmes l'irrégularité? Et est-ce que c'est pas ce qu'on cherche ici, hein? Est-ce que c'est pas ça? Mais bon, les monstres, indépendamment du fait que la plupart d'entre eux ne font que hybrider des conventions, ils réarment la question du jugement aussi bien pour eux-mêmes que pour tout ce qui les a acculés à la monstruosité. Parce que rien, évidemment, n'est monstrueux de façon suspensive, éternelle et transcendantale. C'est toujours relativement à un cadre normatif. Hein? Donc du coup, monstrueux, ces choses ne le sont que relativement à ce cadre, à un cadre. Et moins ces cadres sont difficiles à excéder, c'est finalement il y a une certaine aisance
à produire devant la question du cadre leur monstruosité, bah, plus le monstre sera mollement renversant, quoi. Il y a une production assez considérable, plastique, artistique, à laquelle ça coûte pas très cher de réintégrer finalement la catégorie monstrueuse, parce que ce qui est abattu n'était pas non plus difficile à abattre. C'est la totalité des mondes de la petite différence, quoi, qui repose sur une sorte de monstruosité instituante. Donc il y a des genres monstrueux qui seraient des genres monstrueux par nature. C'est des libertés sous condition. C'est en gros des révolutions accompagnées par la police, quoi. Pour appeler ça des insolences conservatrices. Alors, le dessin mal foutu, tordu, peut aussi bien lui aussi être bon ou médiocre. On reviendrait quand même à cette condition. Il peut être lui aussi généreux ou nul, renversant ou inoffensif. Il ne lui suffit pas, effectivement, de s'adonner de façon implicite, une espèce de critique esthétique par des propositions de leur cassure, hein, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors quoi? Où s'arrête l'humeur et où commence le discernement? Peut-être alors que ce qui fait un mauvais dessin, ce serait ce en quoi il rate son objet. Cette fissure par laquelle il rend un instant perceptible, quoi, la trahison qu'il fait à son propre devenir. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à saisir, parce que ça voudrait dire que ce devenir, il y a quelques signes qu'émet un dessin qui permettrait de le capter. C'est comme si, je vous disais ici, qu'un dessin, quel qu'il soit, laisse apparaître quelque chose de sa promesse. Et il peut très bien ne pas la tenir. La difficulté à saisir cet objet, inexposable par d'autres moyens que le dessin lui-même, donc cet objet a son propre devenir, est d'autant moins exposée par ailleurs que le dessin aurait échoué précisément à le toucher. Donc ça pose évidemment un problème. S'il rate son propre devenir, par quels moyens? Puisque précisément on n'a pas la formulation de ce devenir, on pourrait s'en rendre compte. Oui, c'est assez subtil quand même, cette possibilité. On est vraiment dans une intuition, du rapport au dessin, assez difficile à discerner. C'est la probable cause de faibles moyens de discernement dont on dispose entre un bon et un mauvais dessin. Reconnaître un mauvais dessin, ce serait alors ce double mouvement d'analyse par lequel est perçu son objet et l'échec à l'atteindre, ou plus exactement à nous le rendre présent, sensible d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors bon, son objet, on va le comprendre comme ne concernant que lui-même. Comme dessin en cours, hein. C'est pas un objet à atteindre, c'est pas l'idée à atteindre, c'est pas l'énoncé dont il serait le détenteur. Non, non. C'est vraiment lui-même comme dessin en cours, dont le dessin complètement achevé ne sera que le témoignage, ne portera que le témoignage de ce processus. Ils sont conditionnels l'un à l'autre, hein, le processus et le témoignage. Par le dessin achevé, nous est donnée la possibilité résiduelle, donc la possibilité, le vestige de possibilité, de comprendre un petit peu son cours, le cours du dessin. L'objet, du coup, c'est quoi? C'est ce qu'on voit à l'horizon du dessin, que ne définissent pas les modes du dessin. Hein, ceux par exemple de l'académie, dont le critère serait l'excellence, ceux de la vitesse, hein, cette espèce d'acribeia, le rythmos, qui étaient des valeurs antiques qui ont été fondées par Xénocrate sur une sorte d'idéologie de la vitalité. Hein. L'objet d'un dessin n'est en rien la figure qui le hante comme figure sociale, le modèle, l'académie, le style. Ça, c'est que l'anecdote, au-delà de laquelle commence le verbe dessiner. L'objet, c'est ce que le dessin fait en plus du dessin.
Alors, on est un peu dans les problématiques qui ont l'air juste joueuses, mais qui ne sont pas si simples que ça à comprendre quand Robert Filliau, pour faire à moitié l'andouille, dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus passionnante que l'art. Et dans cette dernière phrase, je pense que ce que le dessin fait en plus du dessin, c'est un peu ça qu'il faut entendre dedans, voilà, dans les procédures de l'excès. Voilà, voilà, voilà. Je pense que là, je vous ai tous perdus, hein, vous faites tous dodo depuis un moment. Il est un peu tard pour ce genre de texte. Je suis vraiment désolé. Mais bon, ça me paraissait intéressant d'oraliser ce passage sur le bon ou le mauvais dessin. Et puis surtout de le déplier un peu, parce que je suis pas sûr que... Enfin, à l'écrit, ça me semble... c'est pas un des textes les plus simples de cette série de notes. Bon, ça va, il n'est pas non plus tuant, mais bon... Il y a des petites zones d'ombre, et il me semble que là, en décortiquant un petit peu, c'était plus clair. Ça va, Lionel? Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, sur ce, il est 23h. C'est donc... ça fait que 2 heures que je suis là, c'est très court... Mais je vous cache pas que je suis un peu naze. Je suis vraiment fatigué ce soir. Je crois que chaque jour, je suis un peu plus fatigué. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez des questions, quelles qu'elles soient à poser, c'est le moment. Sinon, je crois que je vais écourter le stream, ce que je fais jamais. En général, j'ai plutôt tendance à les prolonger au-delà du raisonnable. Mais je dois dire que ce soir, bon sang, je suis... un peu aplati. Donc, si certains ou certaines d'entre vous ont des trucs à dire, raconter, des questions à poser, c'est le moment. Voilà. Dites-moi. Cette pelote là. Allez, dites-moi non. Bon. Eh bien, écoutez, je déduis de ce silence que vous n'avez pas plus de questions que ça. Je pense que c'est plutôt que de commencer un autre texte sur ce type de sujet. Bon, on peut peut-être juste les. Alors, évidemment, c'est un peu frustrant. Les quelques habitués. Tu entends Julien ronfler? Mais non. Mais non, il... Mais non, il ronfle pas. Quelle mauvaise langue. Il ronfle pas, il est en train de se mater à un film. C'est une honte de dire ça. C'est faux. C'est de la pure calomnie. Du coup, comme d'hab, je vous propose un petit raid. Mais comme vous êtes très très peu nombreux, ça va être vraiment un micro-raid. Mais c'est pas grave, c'est toujours agréable pour les streamers et les streameuses de recevoir une petite visite. Il n'y a pas fou de stream ce soir. Ah, je suis un peu étonné de voir que Yukaino n'a pas l'air là. Ce serait bien d'aller voir Yukaino parce qu'elle était vraiment toute malheureuse hier. Elle était bien triste, je la sentais en déprime. Et je pense qu'aller lui dire un petit bonjour, ben ça lui fera bien plaisir, ma foi. Je ferai bien ça. Allez. Je lance le raid. Et puis j'espère que vous resterez. Vous allez dire bonjour à Yuk de ma part. Vous lui faites une grosse bise. Vous l'embrassez fort. Et à bientôt.